Belle était toi. Aujourd'hui, en toute liberté, je belle. Toute la famille est fière de mes décibels. On me chouchoute, on me caresse, on me choie. Surtout les enfants, ils me sont bien fidèles. Dans les quartiers, je suis leur fierté et joie. Leur superbe mouton de premier choix. Avant que toute la famille, demain, avec ses couteaux bien aiguisés, en se frottant les mains, ne me déchoie. Avant d'être découpé en steak, cœur, abat, tripes, côtelettes et tranches de foie. En aucun cas, même haché, je ne serai leur rabat-joie, puisqu'ils disent que c'est affaire de foie. En tout cas, ils m'ont bien gavé d'herbe et de paille. Alors, bon sang, que je belle, à quoi bon faire le rebelle? Si je me retrouve grillade de barbecue et plat de ripaille, je peux même dire que je l'ai échappé belle, car en me dégustant ainsi, mes chers amis m'honorent. En rappelant surtout entre Perrault mon prix d'or, en gueulant tout fier, tout haut et fort, on lui a bien tâté le cou et le derrière. On a comparé son cou et sa chair à ceux de son cousin de l'année dernière. Il est bien plus cher, bien mieux en chair. N'est-ce pas trop fait que de me retrouver festin? Pourrais-je donc avoir meilleur destin? D'ailleurs, même pour les impies, je serai délicieuse kémia d'apéro. Grâce à moi et mes gigots, qu'on soit gaucho ou frérot, riche ou prolo, endetté jusqu'aux os. C'est la fiesta dont je suis le héros. Alors bon sang, belle était toi, ne pense plus au plateau, ni au frigo, ni au caniveau. Mokhtar El Amraoui, illustration de Jean-Luc Cornec.